Hydrogène Europe, c'est l'association de l'industrie européenne de l'hydrogène. Nous avons aujourd'hui près de 200 membres industriels et 25 associations nationales qui représentent l'hydrogène dans les différents États membres de l'Union européenne. Et nous couvrons l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça va de tous les équipementiers qui fournissent des piles à combustible, des électrolyseurs, des stations hydrogène ou des composants, mais aussi tout le secteur énergétique avec des développeurs de parcs renouvelables, l'industrie pétrolière qui voit l'hydrogène comme une source de reconversion, le secteur du gaz qui transportera peut-être l'hydrogène si on change le rôle des réseaux de gaz en réseau hydrogène. Nous avons aussi tout le secteur du transport qui est représenté. Je parle des équipementiers traditionnels de l'automobile, mais les constructeurs automobiles, toute une série de constructeurs dans la mobilité plus lourde, donc camions, bus, autocars, mais aussi le train, le maritime et l'aviation dans une moindre mesure, mais c'est des sujets qui émergent fortement. Et enfin, un certain nombre d'acteurs de l'industrie lourde qui peuvent utiliser l'hydrogène, comme dans l'acier, la chimie, la cimenterie, etc. On fait de l'innovation, de la politique et de la politique industrielle, plus de l'intelligence du secteur. Donc de l'innovation, historiquement, nous sommes nés d'un partenariat avec la Commission européenne où nous sommes chargés de définir les priorités de financement dans la recherche et l'innovation en partenariat avec l'hydrogène. Nous avons depuis quelques années que l'hydrogène est devenu un vrai sujet industriel et politique, tout un département politique qui promeut l'hydrogène et sa contribution aux politiques climatiques et qui fait en sorte que quand les nouvelles politiques climatiques et énergétiques se développent pour les prochaines années, la contribution de l'hydrogène soit reconnue et que ça permette donc ainsi de faire décoller le secteur de l'hydrogène. Ensuite, on essaie de complémenter ça avec ce que j'appellerais de la politique industrielle et un travail sur le financement, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'atteindre nos objectifs climat, il s'agit aussi de favoriser une chaîne de valeur sur laquelle il n'y a pas encore de champion mondial. La place est encore à prendre. D'autres zones géographiques, notamment la Chine, se positionnent, mais l'Europe est encore en position d'être un leader. Et donc, nous travaillons beaucoup à ce que les États membres et la Commission reconnaissent notre chaîne de valeur comme étant une chaîne de valeur sur laquelle l'Europe peut dominer. Et ça se complémente d'une vraie discussion sur les financements, parce qu'on sait que les politiques qui vont permettre le déploiement de l'hydrogène vont prendre encore quelques années pour être votées et mises en œuvre sur le terrain. Et les financements publics peuvent aider à faire décoller la filière plus vite sans attendre ces quelques années nécessaires pour avoir les réglementations. Enfin, notre dernière action, c'est tout un département intelligence où on essaye de monitorer le développement technologique, les développements réglementaires et le développement du marché de l'hydrogène. L'Europe a joué pendant des années un rôle de champion et de champion un peu solitaire, parce que ça fait maintenant 14 ans que l'Europe a un programme de recherche et innovation en hydrogène. Et pendant des années, c'était le seul programme ambitieux, à l'exception du programme allemand, qui était aussi dédié à l'hydrogène. Et puis, ces 5-6 dernières années, ce programme a aidé à faire les premiers projets de petits déploiements industriels, donc au-delà de la démonstration classique, en mettant sur la route quelques centaines de bus, quelques milliers de voitures, quelques milliers de piles à combustible. Aujourd'hui, l'Europe a étoffé son portefeuille avec une série de programmes qui sont assez complémentaires, qui couvrent beaucoup de choses, mais qui sont trop petits. Donc, il va y avoir un nouveau programme de recherche et innovation sur l'hydrogène. Il va y avoir d'autres partenariats sectoriels dans le transport routier, dans l'aviation, dans le train, qui vont avoir un chapitre hydrogène. Donc, on voit bien que ça se met. Après ça, il y a d'autres programmes européens qui sont capables de passer à une première échelle plus grande. Il y a le programme plutôt dans le transport jusqu'à présent, CEF, Connecting Europe Facility, qui a été très utile pour financer des premières infrastructures de remplissage de carburant pour le transport routier et qui va supporter aussi des projets à plus grande échelle dans le secteur du bus et bientôt du camion. Il y a le fonds innovation, ETS Innovation Fund, qui lui va permettre d'amener à l'échelle des projets d'hydrogène dans l'industrie, principalement, pas seulement, mais principalement. Et là, on a un programme qui a suscité un enthousiasme extrêmement fort, puisqu'il y a eu 20 milliards de projets qui ont été déposés cette année.
dont à peu près 15 à 20% qui sont sur l'hydrogène. Donc, il y a pas loin de 1 à 2 milliards de projets hydrogène qui ont été déposés cette année juste à ce taux de financement. Avec ça, l'Europe a un portefeuille de programmes de financement qui est très complémentaire et très riche. Il y a aussi la possibilité d'avoir des dettes à la Banque européenne d'investissement. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop petit. Et donc, enfin, il faut quand même tous se rappeler que le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB européen, alors que les budgets nationaux, c'est un peu au-dessus ou un peu en dessous de 50%. Donc, clairement, maintenant, il faut que les États prennent le relais. Et là, l'Union européenne essaye de créer une dynamique qui pousse les États à mettre l'argent au portefeuille. C'est notamment le cas avec les fameux IPCEI, hein, les projets importants d'intérêt commun européen qui encouragent les États à financer des projets de grande taille et de financer des États qui sont pan-européens, non pas qui couvrent toute l'Europe, mais qui soient communs à plusieurs États membres. Et il faut reconnaître que même si on parle d'argent étatique, il y a une espèce d'impulsion européenne qui a permis à un certain nombre d'États d'annoncer des budgets importants. Je pense à l'Allemagne qui a parlé de 9 milliards et la France de plus de 7 milliards. Donc là, c'est plutôt un rôle d'impulsion. Mais voilà, ça, c'est déjà des choses assez prometteuses. Le plan de relance, on parle de cet accord entre les chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu au mois de juillet et qui prévoit, outre le budget européen classique, un peu moins de 700 milliards d'euros pour partie en subvention, pour partie en prêt, que les États membres vont se partager, qu'ils doivent dépenser dans les 2-3 prochaines années, parce que l'idée, c'est vraiment de sortir de la crise créée par la Covid. La France devrait recevoir un montant de pas loin de 40 milliards, donc on ne parle pas juste de petits montants. Et ce qui est important à comprendre, c'est que pour pouvoir bénéficier de ces fonds et pouvoir les dépenser, la France va devoir soumettre un plan de relance qui doit être aligné avec les objectifs du Green Deal, donc des objectifs climat de l'Europe pour une bonne partie. Et donc, il y a une espèce d'alignement des étoiles qui font que maintenant, il y a besoin de très gros financements dans la filière de l'hydrogène. Il y a cette dynamique des projets IPCEI dont je parlais il y a un instant, où les États membres pourraient mettre la main au portefeuille avec des gros projets structurants industriellement. Et il y a cette possibilité de bénéficier de fonds européens du plan de relance, où le fait de dire qu'on va dépenser cet argent pour des activités telles que l'hydrogène rentre parfaitement. Donc, quelque part, un pays comme la France peut plus facilement bénéficier de cette manne du plan de relance si elle le met dans des applications de type hydrogène. Donc, voilà, les étoiles s'alignent assez bien pour pouvoir faire un plan hydrogène européen, au sens qu'il y aura différents États qui vont se coordonner, mais national, au sens que c'est chaque État qui prendra des décisions sur ses budgets, en partie avec l'argent européen, en partie avec son argent à lui. Je pense que bon, déjà la France est assez bien placée, hein, parce que même s'il y a 7-8 ans, la France était un peu absente du domaine de l'hydrogène parce que plus traditionnellement favorable à l'électrification, aujourd'hui la situation est tout à fait rattrapée et la France est très présente dans les différentes applications de l'hydrogène. Donc la France peut tout à fait se positionner comme ayant des champions nationaux. L'important quand même, c'est pas seulement de supporter la production d'hydrogène, c'est surtout de créer une certitude sur un usage. Donc, il faut bien que savoir, il faut qu'on sache que quelqu'un va bel et bien utiliser certaines quantités d'hydrogène. Donc, ça peut se faire avec un certain nombre de réglementations européennes, voire nationales, qui voudraient aller un peu plus vite, qui créent une demande de l'hydrogène, soit avec des quantités fixes, soit avec un mécanisme de subventionnement éventuellement de l'hydrogène pour qu'il soit plus compétitif avec les solutions fossiles dont il faut se débarrasser, soit même une obligation de décarboner qui soit neutre technologiquement, mais avec l'idée que l'hydrogène est tout à fait compétitif avec d'autres voies de décarbonisation. Donc, créer de la certitude sur la demande, c'est la priorité numéro un. Et on sait que les politiques publiques, surtout si elles doivent être prises au niveau européen, peuvent prendre du temps, et c'est pour ça que les financements dont on parle maintenant sont très importants parce que en fait, le financement public peut parfois aller plus vite que la réglementation, donc il peut un peu l'anticiper. Il faut quand même comprendre qu'on s'attend à accroître par 130 la quantité d'énergie d'hydrogène renouvelable en Europe dans la prochaine décennie. Ça veut dire que toute la chaîne de valeur doit augmenter de manière synchronisée ses capacités de fabrication. Ça va demander de la coordination de l'État et ça va demander un peu de support.